Allô? Restaurant chez Gianni? Oui, bonsoir, c'est Madame Maloney. Je vous appelle pour réserver une table pour deux ce soir. Oui, à 20 h comme d'habitude. Oui. Oui, ça va, merci. Ah ben 6 mois. Ah oui. Oui, ça se passe très très bien. Oui. D'accord. Donc à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Oh, il y a Lucie et Jack qui viennent dîner demain soir. Qu'est-ce que je vais leur faire? Je dois avoir un gigot au congélateur, mais je vais le sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air de tourner bien rond. Tu es fatigué? Je suis fatigué. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi. On peut rester là, je peux décommander le restaurant et on peut rester à manger tranquille ici. Non, non, je change rien pour moi, non, ça va. J'ai de la viande au réfrigérateur, j'ai un rôti de porc, j'ai du gigot. Tu peux manger là tranquille dans le fauteuil. Il faut que je te parle. Et d'accord, mais parler, mais tu peux manger quand même. Tu veux pas que je te fasse un gigot? Ou si tu veux, prépare un gigot, d'accord. Ok, d'accord, j'y vais. Non. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je sais que ça va être difficile pour toi, je sais que ça va être un petit peu douloureux, mais j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait déjà quelque temps que ça dure et j'en suis venu vraiment à la conclusion qu'il fallait que nous fassions quelque chose d'absolument radical. Et je sais encore une fois que tu vas peut-être mal le prendre ou que ça va te paraître un petit peu soudain. J'ai vraiment décidé que c'était la meilleure solution pour nous deux. Je dois te quitter. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une autre femme Nous avons décidé j'ai décidé de vivre avec elle et ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va se passer très très proprement. Ta pension alimentaire sera versée. De toute façon, de ce côté-là, tu n'as rien à craindre. Par contre, je sais que ça va être un petit peu difficile pour toi dans les premiers temps, mais je serai là pour t'épauler de toute manière. Je ne vais pas te laisser toute seule Je pense que tous les deux, moi et ma compagne, nous allons t'accompagner si tu veux. Cette femme que j'ai rencontrée, que tu aimerais en d'autres circonstances, cette femme va m'aider véritablement dans ma carrière et va me permettre d'aller de l'avant et de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire professionnellement. Voilà. Tu sais, je crois que c'est vraiment la meilleure solution pour tous les deux. Et
si tu allais préparer le gigot? Finalement, c'est pas la peine de faire le gigot, je ressors. Bonjour Sam. Je voudrais des petits pois et des pommes de terre, s'il vous plaît. Bonjour Sam. Bonjour Sam. Je voudrais des petits pois et des pommes de terre, s'il vous plaît. Bonjour Sam, je voudrais des petits pois et des pommes de terre, s'il vous plaît. Bonjour Sam, je voudrais des petits pois et des pommes de terre, s'il vous plaît. Bonsoir Sam. Bonsoir Madame Maloney. Ça va, merci. Il fait pas très chaud ce soir. Oh, il fait frisqué. Hein. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais des pommes de terre, oui, et une boîte de petits pois, s'il vous plaît. Et voilà. Voilà, un bon kilo. Et une boîte de petits pois, ça, oui, s'il vous plaît. Je vais vous donner un bocal de petits pois, tout préparé. Vous n'avez qu'à les faire réchauffer. Oh, bah c'est parfait, ça. Merci beaucoup. Et comme viande, qu'est-ce que je vous sers? Non, pas de viande ce soir. J'ai un gigot au four, donc ça va aller. Ah, il paraît qu'il est délicieux, votre gigot. Ah bon? D'après ce qu'on m'a dit. Ah, bah c'est gentil, ça. Merci. Par contre, j'ai pas de dessert. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous propose un tourteau fromager. Ah oui, excellent. Voilà. Il adore ça. Bon, bah c'est tout. Vous pouvez le noter? Oui. Ça fera 20 francs. Très bien, ben je vous paye en fin de semaine comme d'habitude. Comme d'habitude. D'accord. Bonsoir Madame Maloney. Bonsoir Sam, merci. Oui. À bientôt. À bientôt. Angélique. Oh Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Tu es radieuse. Merci. Comment se passe ta grossesse? Oh, ça va bien, ça va très très bien. Je suis très 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 contente, ouais, vraiment. Mais je vais pas m'attarder parce que j'ai un gigot au four là et Patrick est un peu fatigué, on sort pas ce soir. Vous venez toujours demain? Oui, nous sommes ravis de venir. Oh, mais c'est super, nous aussi. Vous venez pour 19h30, ça va? Très bien. J'espère que Patrick ira bien. Oui, non, mais il est juste un peu fatigué, ça devrait aller. Bonne soirée. Bonsoir. À demain, Lucie. À demain. Dès ce soir, votre papa sera enfin à la maison. On va être une vraie famille. Oh oui! Oh chouette! Oh, Vierge Marie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et que va-t-il advenir de nous? Mon bébé, je vous en supplie, protégez-nous, protégez mon enfant.
la police? Oui, la police. Oui, c'est Angélique Maloney. Venez vite à la maison, il est arrivé un malheur à Patrick. Patrick, on... vous dire. Mais Patrick, mon mari, je crois qu'il est mort. Il est là, il bouge plus. Venez vite. L'inspecteur Maloney est mort? Oui, oui, enfin, je crois, mais venez. Bougez pas, je vous envoie l'inspecteur Maloney. Ouais. Viens t'asseoir, raconte-moi ce qui s'est passé. On a discuté tout à l'heure, on a pris l'apéritif comme d'habitude. Oui. Je suis allée faire des courses pour faire un ego et quand je suis rentrée, il était là, il bougeait plus. Est-ce que tu as croisé quelqu'un en revenant? Oui, inspecteur O'Malley, envoyez-moi le chez Maloney, rapidement. Je sais pas, j'ai pas fait attention oui, à merci. La porte. Bon. Pour l'instant, repose-toi. Ah, Jacques, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Avec O'Malley, on s'occupe de tout. Allez, on évacue le corps. Oh, Patrick, non. O'Malley, venez aider, s'il vous plaît. Crânienne, complètement défoncé, coup sur la tête. Donc la mort remonte à peu près de demi-heure. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est heureux, mais j'ai rien trouvé de plus. Quoi. D'accord. Bon, merci beaucoup, docteur. Je rejoins. Ouais. Je compte. À bientôt. Au revoir. Jack, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, calme-toi. Repose-toi. On s'occupe de tout. L'enquête est en cours, O'Malley devra arriver pour me faire son rapport. Je pense qu'il a été frappé par surprise. Oui, probablement, il regardait par la fenêtre. Oui, je pense que le mieux serait que vous alliez interroger l'épicier. D'accord, j'y vais dessus. Peut-être que t'as pas envie de rester là cette nuit. Tu veux qu'on te dépose quelque part, chez ta sœur? Ou même à la maison, si tu veux, Lucie s'occupera de toi. Non, je préfère rester là. Je me sens pas très bien, je vais rester là. Bon. C'est gentil. Tu veux que je t'aide à te mettre dans ton lit? Non, je suis bien dans le fauteuil. Je suis aussi bien là. Bon. Écoute, pendant que tu te reposes, nous, on doit continuer notre enquête. On va fouiller la maison, avec les hommes. Oui, je comprends. Allez, repose-toi. D'accord. Merci, Jack. Donc, il nous a précisé qu'elle avait un comportement absolument normal. Bon, elle avait même la ronde jouée. Elle lui a préparé un bon dîner avec un gigot d'agneau, petit pois, en dessert, un gâteau au fromage. Il était environ 19h15. Bon, rien d'autre? Et non, pas d'autre élément. C'est ce que nous a précisé l'épicier. Bon, merci beaucoup, O'Malley. Bon travail. O'Malley, faisons le point rapidement sur la situation. Patrick a été tué d'un violent coup sur le crâne, avec un objet lourd et contondant, certainement en métal. Il faut absolument me retrouver cet objet. L'assassin a très bien pu l'emporter avec lui, comme il a pu le laisser ici aussi. Ça, c'est une vieille histoire. Trouvez l'arme et vous trouverez le bonhomme. Y aurait-il dans votre maison un objet qui aurait pu servir d'arme? Un objet comme quoi? Du style une clé anglaise ou un vase en métal? Un vase en métal, moi j'ai pas ça, j'ai jamais eu de vase en métal, non, mais clé anglaise,
Peut-être dans l'enquête de Patrick, mais je sais pas, inspecteur. Je sais pas. Bon, excusez-moi. Reposez-vous. Je voudrais bien me donner mon verre sur la petite table, s'il te plaît. Tiens, ça va te faire du bien. Merci. T'en as besoin. Ouais. Certains un verre, toi aussi. Tu dois être tellement fatigué. Et propose-en à tes hommes. C'est que tu sais, on est en service, c'est pas très régulier. Oh, pour un fond. Oui, Romain, tu as raison. Après tout, ça peut nous faire du bien, nous aussi, hein. Romalet, vous pouvez prendre des verres, s'il vous plaît, puis venir avec vos collègues. Merci. Merci. Si. Non, vous en avez assez. Si. Merci, inspecteur. Bon, ben... Voilà. Oh, les gars, doucement, hein, un petit peu de respect. Je vais rajouter un petit peu d'eau. C'est bon. Ah, vous sentez ? Cette odeur, ça me donne l'appétit. Angélique ? Oui ? Le four est allumé et la viande est dedans. Oh, mince, j'ai oublié, c'est le gigot. Tu pourrais éteindre, s'il te plaît ? Oui, ne bouge pas, je m'en occupe. Ouais, merci beaucoup, Jack, merci. Merci mille fois. Jack, tu peux venir. Jack, tu sais, tes collègues ont raison, vous devriez le manger, le gigot. Ah non, sûrement pas. Mais pourquoi? Vous êtes tous les amis de Patrick. Vous êtes là depuis des heures à essayer de trouver l'assassin, vous avez fait des heures supplémentaires, vous êtes tous fatigués, vous avez faim. Et puis Patrick ne me pardonnerait pas si je vous laissais partir sans vous offrir quoi que ce soit. Oh, écoute, fais-le pour moi, il est cuit à point, ce gigot. Non, il n'en est pas question. Fais coup, Jack, fais-le pour moi. Moi, je pourrais pas y toucher, ça me rappelle trop Patrick. Vous, c'est différent. Après, vous continuerez votre travail. Bon, d'accord, allez. Pour te faire plaisir. Hein. Bon, hein? Merci. Ouais, allez. Ouais, Charlie, un autre morceau? Manger, quand même. Bon, elle a dit qu'il fallait tout manger. Faut tout manger, hein. Bon. C'est ce qu'elle a dit. Et... Allez. En mémoire de Patrick. Les gars, moi je me demande bien ce qu'il a utilisé là comme bourdin, le gars qui a fracassé la tête de Patrick. Le médecin dit que le crâne est terminé à une partie du crâne. Bon, en tout cas, le gars qui a ça doit pas être bien loin. Hein. Parce que pour se trimballer avec un engin pareil, il a dû le cacher quelque part, moi je crois pas. Hein. Moi je suis sûr, faut continuer à chercher. Si ça se trouve, il est encore ici. Moi je pense la même chose que vous. Hein. Même peut-être que c'est sous notre nez là. Et... Allez, allez, allez. Bon, allez, en mémoire de Patrick. Allez. Et... Oh, pardon.